Eh bien, salut à tous, comment allez-vous? Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Truck Simulator 2. Une petite vidéo de détente. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. En compagnie, bien sûr, de radio, enfin de la musique. Enter, donc c'est parti. Il y a un petit à 7000 aux Pays-Bas. Ça fait un petit moment que j'ai pas été aux Pays-Bas. Donc, prendre une mission, je vais prendre celle-ci. Votre remorque est prête, rejoignez l'aire de chargement. Ok, nickel. Oh, qu'est-ce que je fais moi ici? Je viens tourner comme ça. Voilà, nickel. Voilà. Donc c'est parti, on est chaud bouillant les amis. Hop, le clignotant. J'ai tourné ici. Que je vais essayer. Donc là je suis sur ma carrière à moi personnelle. C'est nickel, c'est vert. Évidemment c'est orange, pas grave, je suis pas seul orange. On va pas mourir. Hop. C'est du jeu, c'est pas de la réalité. Donc c'est parfait. Bon, allez, est-ce que tu veux bien avancer, Coco? Les petits clignots. Hop, ça, nickel, sévère. Allez. Un air commence à me jouer des tours, celui-là. Voilà, nickel. Ici, c'est bourré de feux rouges. Allez, encore l'orange, je passe. Oh, rouge, carrément. Tant pis, j'ai pas eu d'amende, ça va. Ellie Goulding en préparation, mais aussi un autre jeu Call of Duty à gagner. Ce sera courant 7h. Ah oui, voici le top horaire. Radio Contact, il est 19h. Bonne soirée avec nous, Radio Contact, il est 19h. Contact. Je vais me rabattre parce que là j'avance pas très très vite. À mon avis, je kick coon. Ouais. 90. Revenu 1007 euros par le chauffeur Richard. Pas mal. Pas grave. Oui, dépasse-moi surtout toi. Oh lolo. Bon.
Infraction au feu rouge. J'étais passé la ligne, hein, vieux fou. Hop. Plus facile de conduire en réalité. Enfin, peut-être pas des camions, mais... Tracteur ou voiture, c'est déjà beaucoup plus facile. Voilà, c'est fort, Coco. Mon tête du 17, c'est un brillant. Hein. Oh loulou. Allez, prends un petit peu de la puissance pour monter sur l'autoroute. Un bord d'arrêt d'urgence tant que j'avance un petit peu plus vite. Voilà, nickel. Combien de kilomètres reste-t-il? Évidemment, il se coupe en plein milieu. Ah ben, j'ai mis en pause là. C'est sur F5. Non, c'est pas sur F5, c'est sur F. Voilà. Donc, ça, c'est juste. Ah, j'ai allé comme ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Nickel. Ouais. 200, ouais, 3h47 minutes. Nickel. Donc, il y a eu le temps. Encore 3h44 de route, soit 230 km. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah oui, ok. C'est malin ça. Si je vais prendre la petite sortie d'autoroute. La prochaine fois, je mettrai sûrement la petite cam pour voir ma tronche. Ouais, comme d'hab, ça fait un petit moment que j'ai plus mise.
avec les lives, les congés et tout ça. Ben, je l'ai plus mise. Seulement, je ne ferais pas la mettre comme ça, il faut arrêter la vidéo. En live, c'est beaucoup plus facile que ça en live. On peut la mettre n'importe comment. Mais ici, il faut arrêter la vidéo avec Action Mirelis. Donc voilà. Et oh, elle commence à t'arrêter en plein milieu de l'autoroute. Je vais me mettre là, je vais me rabattre sur l'autre banc. Même sur la bande d'arrêt d'urgence, pour ne pas faire enrager le monde. Ah les cocos. Bien bien bien, on va parler à présent de ce buzz, hein. On en parle depuis pas mal de temps, vous avez même opté peut-être pour la technique. Le selfie, c'est un phénomène qui prend pas mal d'ampleur Thibaut. Hein. Ouais, le principe du selfie est de se prendre en photo hein, soi-même à bout de bras à l'aide de son smartphone. Alors cette mode, tu l'as dit David, envahit depuis quelque temps les réseaux sociaux. Les stars en usent et abusent et le très prestigieux dictionnaire d'Oxford a succombé à la tendance en ajoutant cette année à sa version en ligne le selfie comme nouveau mot du langage courant. Ça y est, c'est parti, c'est bon, ce n'est plus qu'un hashtag. Ouais, exactement. C'est autre chose. Et comme souvent sur Internet, la tendance dérape. Comme le selfie se justifie au moindre prétexte, eh bien on a vu apparaître ces derniers jours sur la toile des autoportraits aux enterrements. Et oui, ce n'est pas une blague, Un peu glauque hein, comme idée, mais cela ne représente aucun danger, contrairement aux photos prises en conduisant, le selfie driving. Alors là, de plus en plus d'automobilistes profitent d'un feu rouge hein, ou d'un bouchon pour se photographier et partager ensuite la photo sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il y aurait plus de 3 millions d'autoportraits réalisés au volant. Et selon les experts, eh bien, c'est une pratique bien plus dangereuse encore que l'envoi de SMS en voiture. Ah d'accord, et comme souvent sur Internet, ça peut déraper de temps en temps. Ben oui, c'est ça, ouais. Je le disais. Voilà, donc il faut faire attention, surtout en conduisant. Quoi. Ah, exactement, et puis c'est pas légal du tout hein, que de faire ça. Donc si vous utilisez votre téléphone, ça se fait uniquement à l'arrêt, et moteur éteint, un peu de chose près. Ah, oui, très sinon, bien. Sinon, vous risquez une amende. Bon, alors concernant les applications qui utilisent le selfie, ce que je peux, si je peux me permettre de vous en conseiller une, s'appelle Front Back. Voilà, l'application est disponible. C'est un Belge qui réside aux États-Unis. Qui a développé ça et que ça fonctionne très très bien. Et c'est l'occasion de se prendre en selfie, mais aussi de prendre ce qui se passe devant. Donc voilà pourquoi le front et pourquoi le back. Très bien, merci Thibaut. Bon, on te retrouve demain en pleine forme. Hein. À demain, David. Salut, ciao. Ciao. Ce soir à 20h45 sur Belga Commence Plus, zappez de star en star et vivez tous les buts de l'UEFA Champions League. Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Donc oui, sinon avec la carrière suivie, je la ferai aussi. Je continuerai aussi ça. Sur Belgique profond, mais ça je sais pas quand j'aurai le temps, à mon avis le week-end. Parce que demain après-midi, j'aurai pas le temps. Belga Commence Plus, la chaîne des vrais fans de foot. La nouvelle Seat Leon, c'est l'ingéniosité et la précision allemande. Mode de conduite personnalisable, ordinateur de bord. Mais c'est aussi le caractère et le charme espagnol, générosité des courbes, personnalité affirmée. Donc voilà. Seat Leon, le meilleur de la technologie allemande et du caractère espagnol, avec un financement à 0%. Moins 344 € pour le chauffeur Katrina. Donc ça, elle continue à m'envoyer des moins 300 €. Je vais la virer, celle-là. Maintenant, pendant un an, 10% de réduction sur le coût d'énergie de nos produits fixes gaz. Qu'attendez-vous pour changer? Infos et conditions sur eni.com/be. Eni, gaz, électricité, simplicité. Chez Mediamart, du 6 au 12 novembre, profitez de nos primes énergie jusqu'à 150 €. Valable sur tout le gros électroménager. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je roule sur la ligne blanche, ça fait un bruit. Enfin, un genre de tchoum, comme ça, comme sur les vraies autoroutes. C'est pas un petit détail qui fait que c'est pas mal. Qui vous ouvre un compte à vue totalement gratuit. Ça change. Une banque qui propose la carte de crédit qui correspond à votre style de vie. Et une banque qui n'hésite pas à vous recommander les fonds de placement des autres. Vous en connaissez beaucoup. Ça change. Une banque qui vous propose un prêt à la mesure de vos projets personnels, même si vous n'êtes pas client. Béobank. Une banque s'ouvre à vous. Passez dans l'une de nos 192 agences ou visitez beobank.be pour les conditions. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Je fais bien, Grégory, tout d'un coup. À mon avis, je vais devoir un petit peu. Un magasin de vélo et vous voyez un super VTT.
mettre l'essuie-glace parce que ma vie va pas tarder à pleuvoir. Puis il faut que je continue. Parce que vous venez de recevoir une trottinette. Les trottinettes, c'est nul. Pensez-vous alors. Heureusement, vous trouvez aujourd'hui toutes les voitures de stock d'Opel sur opelstock.be. Et elles peuvent être à vous maintenant. Ainsi, vous avez déjà une Corsa à partir de 8 919 euros grâce à nos solides conditions jusqu'à fin novembre. Opel, wir leben Autos. Première fois, tiens, je prends ce pont-là. Une heure dix, 73 km, 73 km. Ici, est-ce que je dois continuer? Non, je vais aller par là. Mon vieux, oui, je dois continuer. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, c'est bien ça. Prochaine aire de repos, je m'arrêterai. Je terminerai cette vidéo aussi. Il faut vraiment tourner large. Sinon, on ne serait même pas tourné. Avec l'épingle. Bon, ici, est-ce qu'il y a une aire de repos quelque part? J'ai l'impression qu'on m'appelle sur Skype, j'ai pas mon smartphone ici.
J'aurais pas vérifié puisque je suis en vidéo. J'aurais dû vérifier, tant pis, c'est pas grave. Je ne l'ai pas ici. Bonjour, dans une ville, à mon avis. 15 km, oh, bah, je vais terminer la vidéo avec le trajet alors. Si il reste 15 km, oh, sinon j'aime ça arrêter là. Mais pour 14 km, ça vaut pas vraiment la peine. Sans 77 km/h. Ici c'est rouge. Amsterdam, donc on t'a dit Amsterdam. Ici c'est pas encore ici. On y est presque, le petit kilomètre restant. Sévère, ops. Moi il fallait ton... Oh. Qu'est-ce qu'il lui prend ici? Une petite panne. Apparemment on a tous les feux. J'ai fait une petite connerie mais tant pis. Oh bah je peux continuer par là. Oh. J'ai fait vraiment une grosse connerie. Oh lolo lolo. Le roi de la conduite ici. Voilà, nous sommes arrivés. Oh mince, mais comment est-ce que je tourne moi là? Donc. Oups.
Décidément, je refuse de me garer. Si j'ai reculé en ligne droite. Oh là là, j'ai jamais. Oh, l'air mort. Tiens, sachez qu'il me reste encore des jeux Call of Duty à vous faire gagner. Je vous ai promis que dans les prochaines minutes, eh bien, l'un d'entre eux va repartir. Alors, il me reste encore du PS3, il me reste encore du Xbox, il me reste encore du PC. Mm-hmm. Vous voulez les rappeler ? C'est super simple. Vous pouvez même venir le chercher à la radio si ça vous enchante et ça vous donne la pêche et ça vous donne le sourire. Ah bah, s'il veut pas aller, je mettais Enter, hop, voilà. Mon travail. Oups. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Hein. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme toujours. Ainsi que le petit commentaire, hein, comme vous le savez. Donc, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Oh, attends, je vais tourner. Je vais tourner ici, moi. Vite, essayer avant que le camion arrive, voilà. C'est un concessionnaire ici apparemment, ah ouais. Je vais aller au point d'interrogation juste pour voir, petite question. Ah non, ça c'est un mécanique ça. Hop, je vais aller au concessionnaire pour voir ce qu'il y a de beau. Est-ce que je pourrais m'acheter? Le concessionnaire est fermé. C'est pas grave, je vais me garer. Je sais pas si on peut aller dormir ici, apparemment, non. Tant pis, je vais aller de l'autre côté. Où est-ce qu'elles sont les places ici pour les lits? Ah oui, elles sont là. Ok, Enter. Hop. Oups, vite à aller là. Enter, je vais vite aller voir ce qu'il y a de beau. Parce que franchement, je sais pas comment on fait pour les mods. Je sais pas comment faire. Je verrai bien pour les mods. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et sinon, ben bye bye tout le monde. C'était Olivier Beau. Olivier Beau, la chaîne 100% Farming Simulator.